Oula, ça va être chaud. Ouf. Ouf. Il va falloir prendre de l'élan sur la dernière là. Mais pas sur celle-là. Ok, un peu trop rapide. Simple. Basique. Oh non, pas toi. Pas que Toulouman. Non, ça recommence. Faut qu'il pète ses trucs. Vas-y, pète-le. Non, il peut pas. Ah si, il peut. Putain, il y a des fraises. Non, casse tout. Wesh. Oh, là, y a rien. Elle est où la fraise? Même dans l'espace des démons. J'ai envie de juste lui faire péter une fois. Merde. J'aimerais juste qu'il pète une fois les blocs du milieu là, pour que je sois fixé sur ce qu'il y a dedans. Mais merde. Bon, y a rien dedans. Salut. Hop là. Allez, salut. Olé. Bon, visiblement, c'est rien d'important. Ah, salut. Hein. Oh, papillon de lumière. Oh là-haut, putain, c'est quoi ce bordel? Bah écoutez, les enfants, don't do drugs, hein. Tiens, connard. Tiens, toi aussi t'es un marchepied, t'es comme les runes. Hop là. Oh merde. Je t'avais marché dessus là.
On n'évoquera pas trop le fait que cette musique est ultra badante, hein, pour le coup. Je ne t'aime pas. Encore la partie, le double de moi, ça va, elle est plutôt kawaii, mais toi, le cancer, non. Casse-toi. Oh non, si près du but. Enculé. D'accord, il me mange quand même. Ah, j'ai mal au doigt. Ding dong. C'est quoi cette taille de l'enfer? Ça sert à rien. Ah. Si tout est dans ma tête, pourquoi est-ce si hostile? Ces choses me pourchassent. Je suis une intruse dans mon propre monde. Si vous êtes enfermé quelque part ici à cause de moi. Si je sais totalement, le temple laissera peut-être partir. Ah non, hein. Allez, pensez aux plumes, les gars. Qu'est-ce que... Oh non. Mais c'est pas ça que je vise. Ça non plus. En plus, c'est pas ce que je vise. Dis donc le jeu. Tu me prendrais pas un peu pour un jambon quand même? J'ai raté un truc en bas. Je l'ai vu. Et ça me rend triste. Extrêmement triste. Et plein de clés et des tentacules de l'enfer que j'avais pas vu. Oh, et la lumière du soleil de l'espoir. Mais où suis-je? Où suis-je? Que fais-je? Qu'en mange?
Et non. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je comprends rien. C'est pas grave si je meurs, j'aime juste la lumière. Donc là, c'est lui que je dois tirer. J'arrive à lui rebondir sur sa sale gueule. Mais il me snipe. Comment je fais? Comment je fais-je? Eh ben comme ça. On a une des clés. Toujours pas. Toujours pas. Il y a toujours une fraise. Coincé à un mur. Ici, c'est quoi? Ah. Ah. On verra après. Alors. Non. Là, c'est un mur, je suis con. Peut-être comme ça. Faut être rapide, hein. Gros con. Il faut pas que je m'arrête en fait. Bon, il faut que je m'arrête un peu quand même. Un peu. Avant, saut, tac, tac, non, donc saut, bulle, saut, non, trop tôt, saut, 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 bulle, saut, non, saut vers le haut après, saut, bulle, saut vers le haut, et là vite, non, d'accord, après, ah, mais je peux reprendre l'appui, attends. Saut, bulle, saut vers le haut. Non. Trop tôt.
Saut, bulle, saut vers le haut. On attend, on revient là. C'était ça, ok. Saut, bulle, saut vers le haut, on s'accroche, on remonte. On s'accroche. La freeze. Putain, c'est chaud. Saut, bulle, saut vers le haut. On s'accroche. Allez, fais un effort. Nickel. Alors ensuite, un nouveau tunnel ici. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Oula. Ou pas du tout. Pas du tout. Je commence à fatiguer un peu, je vous avoue. J'espère qu'on est bientôt à la fin du chapitre quand même. Alors si c'est pas ça, c'est clairement pas ça non plus. Faut que je le prenne plus haut. Peut-être pas aussi haut. Ah, ou comme ça, peut-être plutôt. Ça marchera mieux. Yes. Alors, ici. Yes. Lumière. Gros con. Faut de l'élan. Il se passe rien du tout ici. Mais là il se passe des trucs. La deuxième clé. À quoi servent ces clés? C'est une bonne question. Il y avait une porte en bas. Je peux définitivement aller. Définitivement pas aller par là. Et bah tant pis, cassons-nous. J'en ai marre. Comment on descend? Par là? Non plus. Connard. Je vais jamais aller par là. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh. Par le plus grand des hasards. Oh fuck. Voilà. Voilà, ça va être dur. J'ai sauté. Ah.
Pourquoi j'ai eu un jump là surtout? De ouf. Ah ça y est, l'énervement. Le pire ennemi du gamer. On inspire, on expire, on pense à la plume. Comme nous a appris Théo. Et puis avec les clés qui me traînent. Ok, là on est pas mal. Hop, hop, hop. Non, on y était. Oh, fuck. Allez, 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 allez. Il m'a poussé. Il m'a mangé. Oh putain, mais laisse-moi te jumper dessus comme ta grosse tête de... Merde. Oh. Ok, j'ai pas compris, mais c'était très bien. Merci. Là, il faut que ça nous éjecte. Hein. Sans nous tuer. Sans nous tuer. Freeze. Encore une clé, ça sert à jamais. D'où tu sors toi? Connard. Ah, ici c'est badant un peu. L'âme aussi un peu. Ok, 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 calme-toi. Ok, nice. La dernière clé. Bien, on a trois clés. Ce serait cool qu'on apprenne à quoi elles nous servent. Par exemple. Là, c'est de là où on vient. On n'a pas envie d'y retourner. On va aller par là. Visiblement, on doit retourner par ici. Je me rappelle avoir vu un gouffre avec... Pff, ok. Mais tout ça, on l'a déjà fait en fait. Donc du coup, quel intérêt? J'aimerais bien retrouver la zone du bas. What the fuck? Oh mais c'est lui, Théo, merci, Dieu merci, je t'ai trouvé. Madeline, waouh, je suis content de te voir. Tout va bien? Ouais, tout va bien. J'ai juste été déprisonné dans ce truc en cristal pendant une éternité. As-tu l'impression que cet endroit te connaît mieux que tu ne te connais toi-même? Ouais. Je suis tellement gêné que tu aies vu cette facette de moi. J'ai essayé de t'arrêter. J'espère que ce selfie en valait le coup. Les selfies valent toujours le coup, l'ami. Je ne devrais pas m'énerver, ce n'est pas ta faute. Je suis contente que tu n'aies rien, et tu es enfermé ici par ma faute. Et maintenant, ce temple te montre comment je suis vraiment. Comme je suis vraiment. Je suis horrible.
Hey, on est ensemble sur ce coup-là. Ne fais pas comme si tu étais responsable de tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne vais pas enfermer dans ce cristal. C'est vrai, ces monstres viennent de toi, mais le temple se forme autour de moi aussi. Je peux le sentir. Ses yeux m'observent. Et ce cristal vient de moi, je le sais. J'aime pas réclamer, mais j'ai vraiment besoin de ton aide là. Ok. Je suis là pour t'aider. Je vais te pousser hors de cette chose et on s'échappera ensemble. Dès que j'aurai trouvé un moyen de te rejoindre. Madeline, tu es mon seul espoir maintenant. J'ai confiance en toi, vraiment. J'espère que ce n'est pas une erreur. Je viens de me suicider. Gratos. Donc là, on le refait vite fait. J'adore ces voix, c'est tellement trop stylé. Tellement kawaii, Madeline. Alors du coup, si le temple me montre qui je suis vraiment, alors je mérite tout ça, non? Alex, arrête d'être si dur avec toi-même. Quoi, Alex? Pardon, je voulais dire Madeline. Mais ce que je dis reste vrai. Personne ne mérite ça, et toi encore moins. Ouais, tu as raison. Ok, je peux y arriver. Alex, hein? Qui c'est, Alex? Ah mais en fait on est en train de voir une espèce de ligne. Du coup si on remonte jusque là-bas. Fuck. Allez mais on reste emmerdé parce que du coup Ah ouais c'est dans l'autre sens. On va remonter la ligne dans ce sens là. Yes. Genius. Allez. PF. C'est Kalex moi. Oui c'est vrai. Non tu le dis. Tu es donc de la famille à Théo paraît-il. Oh fuck. J'aurais peut-être dû le refaire. Mais un sorcier, Harry. Je suis un quoi ? Un quoi ? Mais un sorcier, Harry. Un quoi ? Un sorcier, Harry. Un quoi ? Odon Sake. C'est mon petit cousin. Au deuxième degré du côté de sa mère. Un quoi ? Vous êtes le fils d'un démon et d'une pucelle ? Un quoi ? Spartiate ! Un quoi ? Est-ce que c'est la matrice ? Ouais. Et maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Liam, peut-on célébrer mes 14 mois comme il se doit? Je pense qu'avec une alerte comme ça, franchement, on laisse assez pas comme il se fallait. Merci beaucoup, Machi. Ah, je suis content, on a enfin pu entendre l'alerte des plus d'un an. J'ai beaucoup bossé pour cette alerte. Elle est custom, elle est de moi. Je suis très fier, je la trouve très drôle. Et même si je me fais tout seul, bah écoutez, c'est pas grave. T'as rigolé? Bon bah c'est parfait alors. Ok. Bien. Il va falloir se servir de ce zouave. Ouh. Non. Il peut me bump en fait, il faut que j'apprenne la technique.
Ou pas. Coucou. Coucou. Connard. Comment vas-tu, Machi? Mieux que moi, j'espère. Parce que je suis au bout de ma vie. Et coucou. Bâtard, bâtard, bâtard. Mais pète ce mur. Allô? Merci. Eh bah écoute, ça va, je suis crevé. Eh bah écoute, je te comprends. Ah, par contre, ça c'est bien. Les murs restent entre deux. À l'ailleurs, je monte là. Je lui fais et coucou bâtard. Yes, et là il dit oui. Le petit loquet. Ding dong, bâtard. Ah, et celui-là, par contre, il faut le refaire revenir. Et coucou. Ouais, attends, je l'ai coincé. Connard. Bon. Faut pas que je l'aggro. On monte là-haut. Voilà. Allez, crève. Oh, des yeux partout. Théo. Théo, je t'ai enfin trouvé. Je savais que tu réussirais. Ça n'a pas été simple. Ces monstres viennent-ils vraiment de moi? Madeline, c'est une question légitime. Je serais ravi de discuter de la façon dont les monstres sont liés à ton fort intérieur. Mais pour le moment, mon propre fort intérieur est plus facile que fatigué de prisonnier de ce cristal. Oh, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, je vais te faire sortir. Ben, c'est un bon début, mais... Ce cristal était comme une expression de mon énergie psychique négative, ou un truc du genre. D'accord, mais comment on le casse ? Si je savais pourquoi je suis enfermé dans cette chose, je pourrais peut-être m'échapper. Mais je n'en sais rien. Et je ne crois pas pouvoir commencer à le comprendre tant qu'on reste bloqué dans cette dimension cauchemardesque. Je vais te dire ça, mais tu vas peut-être devoir... Théo, n'y pense même pas. Il n'est pas question que je t'abandonne. Bien sûr que non, tu n'as pas intérêt à m'abandonner ici. J'allais dire que t'allais peut-être devoir me transporter. Oh. Oui, je peux faire ça. Yes. Bien sûr, tu veux me soulever. Bon, tu peux le faire. Ouais. Alors, comment dire ? Ah oui, easy. Allez, viens. Bien joué, tu as laissé aucune chance à cette porte. Allez, j'ai... Oh, j'espère que tu sais t'occuper de ces trucs-là. J'ai littéralement un viewer avec moi dans le jeu, quoi. Dis donc, gros bâtard. Hop là. Hop là. Encore ? Allez. Non. Bon, déjà on va emmener Théo. Ou pas. Bon, déjà on va emmener Théo. Ou pas. Bon déjà on va emmener Théo.
vite. Hop là. Oh fuck. Théo, c'est pas le nom de ton frère insupportable, si. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Il existe plusieurs Théo. Hein. J'arrive à faire abstraction. Amusant d'ailleurs comment du coup le frère de Théo du jeu s'appelle Alex. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Vite. Ok, bon pour l'instant plutôt rigolo. Hein. Oh fuck. Le tremplin qui m'a niqué. Pourquoi lui aussi est insupportable? J'en sais rien, on l'a jamais vu Alex. Il m'a juste confondu à un moment donné. Un gros bâtard, je crois le cul. Merde. Ça dit, de balancer un Théo comme ça à tout va, ça a quelque chose de thérapeutique, quoi. Maintenant que tu as fait la réflexion. Putain. Mais crève. Coïncidence, je ne crois pas. Ah. C'est pour moi. Oh, une fraise. Merde, je l'avais. J'aide. C'est dur. Rappelez-moi pourquoi je m'emmerde avec les fraises. Ah, je l'avais. Putain, le pire, c'est que le niveau, là, je peux le finir, en fait. Hein. C'est juste cette putain de fraise qui est en train de me baiser. Hein. Pour changer. Pourquoi je me suicide, moi aussi? Merde. Yes. Oh non. On y était là. Et relou. D'accord, si je lui lâche dessus plus haut, ça compte pas. Bon bah, c'est bon, ça va.
Oh non, je l'ai suicidé. Tiens. Dommage. Je suis pas mort pour des raisons inconnues. Je suis mort pour des raisons très connues. Je suis nul. C'est d'aller un peu trop vite là, je suis en train de m'agacer tout seul. De bug. Enfin, de bug ou pas, en fait, j'en sais rien. J'arrive pas à comprendre la logique de ces bumps. Parfois ça les fait, parfois ça les fait pas. Bon, il y a un moment où je vais abandonner la fraise. Hein. Je préfère que vous prépariez vos petits cœurs là parce que c'est une possibilité qui se rapproche hein, quand même. Putain, à chaque fois que j'y suis, c'est le moment où je me fais baser. Ou alors c'est le début. J'aurais dû le lâcher. Dire qu'elles servent à rien ces putains de fraises. J'ai mis ce clic. Il a mis ce clic. Putain, mais j'y suis là à chaque fois. Et c'est, en fait, c'est là en fait. Il faudrait que j'arrive à le régulariser ça. Comme ça, je pourrais comprendre exactement quel mouvement je dois faire sur cette dernière partie. Parce que c'est la seule qui me fout dedans. On va commencer par ça d'ailleurs. Ouais. Restez dessus, c'était peut-être pas très malin. Attendez, d'ailleurs, on va commencer par ça après tout. Non. Ok, j'arrive Théo. Ok, c'est là, on va quand même appuyer dessus.
Les vrais, c'est de la merde. Les vrais, c'est de la merde. Bon, écoutez, nique la fraise. Voilà, c'est annoncé, on s'en bat les couilles, on se casse. Ouais, mais en même temps, on fait chier, quoi. Et non, il y avait là. Non, nique la fraise. Voilà, c'est dit. Ça fait un quart d'heure qu'on pourrait l'avoir fini cette partie de merde. Putain, mais. Eh ben non, j'arriverai même plus à la finir normalement, quoi. Mais vraiment, en fait, le jeu a entendu que je voulais plus faire les fraises et il a décidé de me punir. Mais vous avez vu ce qui vient de se passer là? What the fuck? Voilà, niquez-vous. Putain, c'est même pas fini en plus, quoi. Théo est encore le sauveur. Yes. Ah, mais deux en plus, ouais. C'est vrai que un, c'était déjà pas complètement chiant. Aïe 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 aïe. Oh non. Mais il y a encore un truc à activer là en fait. C'est juste que je sais pas encore ce que c'est. Ah d'accord. Je me suis juste fait bézouiller tranquillement la gueule. Elle est où l'arnaque là? Ça me paraît un peu simple. Proportion gardée, évidemment. Je peux me casser là? Ah oui, c'est bon, ok, bah tirons-nous. Fuck. Tirons-nous, j'en ai marre. Ah, d'accord. Ok, donc là déjà, on le balance sur le bord. D'accord.
On le prend, on vient là. On le balance sur le bord. On vient là, on fait ça, tac tac. Ah, ça a pas dû être chiant. Mais non. Je suis censé m'y prendre comment là? Ah ouais, alors faut que je fasse mon jump direct après. Bah non, même pas, putain, trop gros le truc. Comment ça se fait? Ah ouais, alors il faut que je le lance et après que... Ah oui. Franchement, du génie, hein. Ok, d'accord. Allons-y. Il faut qu'on soit proche, je le sens. Moi, je sens rien du tout, Théo. Je sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qui se passe ici? Faut qu'on le balade sur les ressorts. Encore un peu plus proche, tu peux le faire, Madeleine. Oui, non, mais là... Non, non. J'aurais dû le laisser là. Ah merde. Pitié, crève. C'est fini. Allez, on se tient. Oh là. Il y a de la guitare. C'est toujours marrant de voir regarder sur les jeux de plateforme. Moi, je sais, je me fais du mal, mais ça fait plaisir aux gens, visiblement, donc je continue. Oh là là, putain, mes yeux. Mais c'est moi avancer. Oh la vache. Cthulhu. Tiens. Ah, c'est le regard des autres qui le travaille, c'est pour ça que c'est représenté par des yeux ou un truc comme ça. Je suis sûr. Chapitre fini. C'était bien. On a eu 22 fraises sur 31, pas mal. 406 morts, putain. Mais on a eu la phase B.